êtes-vous? Non, pardon, excusez-moi. C'est quelle classe? Ah, les maternelles. Oh, bah, heureusement que je les fais plus. Hein. Oh, bah, non, moi, je perds des patients à les rendre propres. Hein. Ah, pour pas qu'ils se pissent dessus quand ils levaient la patte? Ah, non. Non, vous savez, moi, mon rêve, c'était d'être veto. Oh. Mais comme j'ai loupé le concours d'entrée, ben, j'ai pris le premier boulot à la con qui se présentait. C'est comme ça que je me suis retrouvée un stit. Pardon? Ah oui, j'en suis à mon 6e mois de gestation. Mais moi, ce que je voulais, c'était un chien. Oh là là. Alors j'ai bien essayé de faire comprendre au père en me laissant pousser les poils aux pattes, en lui bouffant ses pantoufles. Mais ça n'a rien changé. Alors à moi, les vergetures, les hémorroïdes, les vomissements. Alors qu'il y avait une solution dès le départ. Bah oui, c'était de le castrer. Et en plus, comme j'ai prévu d'allaiter, et ben après je vais me retrouver avec les mamelles toutes détendues. Hein. Bah oui, et puis mon footing, c'est pas pratique. Enfin, ce qui me rassure le plus, c'est que je vais mettre bas la clinique de mon minou au mois de mai. Oui. Enfin, comme ça, j'aurai pas à finir l'année scolaire. Oui, Roberta, oui, qu'est-ce que tu veux? Oui? Oui? Il est où le 4 œufs? Il est où le 4 œufs? Qu'est-ce que je t'ai appris? Voilà, c'est bien, lève la patte. Voilà, c'est bien. Allez, va chercher ton goûter. Puis vous avez remarqué? C'est quand arrive le premier chien que les couples commencent à s'engueuler. Eh ben, nous, on n'a pas attendu pour s'avoyer dessus, hein. Ça a commencé avec le choix du prénom. Oui. Lui voulait l'appeler Marcel et moi Médor. Oui, cette année, c'est l'année du M. Bon, finalement, on a coupé la croquette en deux. Et ça sera Mabrouk si c'est un garçon. Et puis Moumoun si c'est une fille. Oui, Nicolas. Oui, Nicolas. Viens voir. Oh là là, Nicolas, viens voir. Oui. Ah ben, dis donc. T'as la truffe toute chaude, toi. Tu diras à maman de t'amener chez Pédoveto. Oui, chez le pédiatre vétérinaire. Oui, comme ça, il pourra te vermifuger. Voilà. Allez, va jouer. Allez, va jouer, je te dis. Oh là là, ils sont chiens, ces gosses. Hein. Oh. Non, mais vous avez quand même remarqué qu'un chien, c'était plus pratique. Eh ben oui, à partir de 2 ans, il n'aboie pas son nom et son prénom. Comme ça, si vous l'abandonnez au bord de l'autoroute, eh ben vous êtes sûr qu'on ne va pas vous le ramener. Alors qu'un gosse, si. Et au pire, votre gosse, si... votre chien, s'il vous plaît pas, ben vous le changez à l'SPA. Alors qu'un gosse, c'est plus pratique. C'est avec la. Ouh, je vais pas y arriver. Donc, avec la DAS, c'est plus compliqué. Enfin, le mien, si je l'abandonne, il souffrira pas. Non. Parce qu'il saura tout de suite que je l'aime pas. Après, j'ai bien réfléchi à d'autres solutions aussi. Hein. Comme jouer à cache-cache vos petits poussés dans la forêt. Regardez, ça se trouve, la petite Fiona, elle compte encore, hein. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ah, papa t'a perdu, c'est maman qui a gagné, elle a pris que 5 ans. Après, j'étais pas contre l'adoption, hein. Un chien déjà bouffé après être dressé, bah oui. Après un des pays de l'Est ou un petit Asia, j'avais rien contre, hein. Quoique en ce moment, le petit Syrien, ça doit pas coûter très cher, hein. Et après, s'il vous plaît pas, c'est pareil, vous dites que c'est un Roumain ou un réfugié qui a tenté de squatter votre maison, hop, le gouvernement met dans le charter, directement retour à la case bas de départ, et comme c'est le gouvernement qui paye, bah c'est tout bénef, hein. Non, moi, ce qui m'a le plus embêté... bah, c'est que le père, ça soit mon frère. Alors, on a fini quand même par en rigoler, hein. On y a fait une petite berceuse au mouflet pour l'endormir quand il va arriver, oui. Vous voulez que je vous la chante, hein? Ouais. Ouais. Si t'es fier d'être consanguin, tape dans tes mains. Si t'es fier d'être consanguin, tape dans tes mains. Si ton frère, c'est ton beau-père, si ta soeur, c'est ta belle-soeur, si t'es fier d'être consanguin, tape dans tes mains.
Kevin, Kevin, on ne mord pas les mollets de ces petits camarades, qu'est-ce que je t'ai appris? Ah, tu vas être privé de récré, hein? Où c'est à la niche? Allez, bon, faut que je te laisse, faut que je rentre ma meute, là, ils sont tous énervés avec la neige, je pense, je sais pas. Allez, allez! Allez, voilà, allez, venez pas ici, allez! Voilà, voilà, venez ici, voilà! Allez, on s'assoit, voilà, couchez! À quatre pattes et on met son harnais! Voilà! Allez, pas bouger! Voilà, je t'accroche, voilà, c'est bien! Pareil, là, Nicolas, pas bouger! Voilà! C'est bien! Et maintenant, on va rentrer en classe! Sinon, la maîtresse, elle va se fâcher!